viens de me rappeler pourquoi j'ai laissé ce jeu dans un coin. Évaluer W pour Wapiti. Et bonjour tout le monde, ici Wapiti, et on se retrouve sur Among Us Live si je pourrais peut-être avoir autre chose qu'un écran noir. Et oui, ce jeu qui m'a tué plusieurs fois. Je me suis dit que je vais le finir même s'il m'a traumatisé, hein. Bon, pour vous, le traumatisme, il a duré qu'une semaine. Pour moi, c'est un mois et demi parce qu'en fait, j'avais déjà filmé en avance. Fait qu'on va continuer l'histoire et on va finir ce foutu troisième. En fait, c'est un quatrième niveau. Je sais plus. Tu sais, c'est beau, ils ont changé l'interface. Il y a eu des mises à jour entre temps. Ils font encore des mises à jour même si le jeu techniquement est fini et que. Et qu'il n'y a plus de. Voilà. Non, moi j'utilise la souris. Je peux tuer. Y a pas de brancher. Je peux tuer. X, gauche, clic droit. Je peux tuer jouer. Ah non, apparemment, dire que le jeu veut plus que je joue. Hein, c'est ça? Hein? Hein? Lorsqu'on est déterminé à te casser la gueule, hein. Tu veux qu'on joue? Ok, non, c'est bon. Ok, fait que là, ouais, ça c'est le troisième niveau. On va devoir tout recommencer au début. Fait que je vais essayer de passer vite vu que vous l'avez déjà vu. Donc là, je sais qu'il n'y a pas de jumpscare dans cette zone là. Fait que c'est plutôt facile d'aller en avance. Du coup, on va arriver dans le grand hub, le hub du niveau. Voilà, avec les tableaux. On va devoir refaire la première partie qui n'a pas de saleté d'IA qui s'en fout du fair play. Alors là, il y a la pièce de puzzle. Je connais tout le placement, c'est génial. Oh, ah d'ailleurs, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Il existe, vous n'allez pas me croire, il existe les sous-titres en français. Ah, on peut le mettre en norvégien aussi. Oh, il y a même le doublage en français. Waouh! J'espère qu'ils sont autant flippants. Et. Ok, non, non, il y a les sous-titres en français, mais il y a le. Norvégien ou anglais comme voix. Bon alors donc du coup il me semble c'est tab pour sortir les objets si je me souviens bien. Oui c'est tab, waouh c'est merveilleux la mémoire. Alors donc du coup ça devrait se barrer, voilà. Ah, bon c'est bon, c'est barré, hop. Voilà, ici on a le merveilleux tableau qui bouge, on s'en souvient bien. Alors là elle se penche et là elle regarde dans l'eau et là elle regarde dans l'eau. Voilà c'est incroyable, je sais pas pour vous, moi je trouve ça génial. Alors là du coup on peut se dépêcher un peu là parce que là bah, ça on sait déjà le faire. Moi j'ai pas peur du monstre là, le monstre il m'a déjà défoncé, je sais qu'il est pas dans cette zone là. Voilà. Ou du moins il est pas supposé être dans cette zone là. Et là c'est moi qui tombe, ça fait peur, mais je suis rendu habitué à ce stade là. Voilà, le traumatisme, mes plaies se sont cicatrisées, maintenant je ne suis plus traumatisé. Voilà. Et là ici on traverse un tronc, voilà, c'est très descriptif. Et là ici, eh bien on monte des marches. Et c'est quoi ce truc là-bas? Je m'en fous. C'est quoi, je m'en fous parce que je suis un thug, voilà, je suis un bébé thug, voilà, c'est bien connu. Et là, je parle vite parce que je suis pas du tout stressé parce que ça commence à faire peur et que ça me rappelle mes traumatismes et la guerre du Vietnam. Mais en fait, non, c'est complètement juste parce que je suis plein d'énergie, je suis prêt à ne pas avoir peur, voilà. C'est totalement normal et ça va être le bordel pour monter ça parce que, étant donné que je parle comme ça, puis que je sais pas où je vais mettre les cotes, voilà, hop. Ah, les bons mauvais contrôles. Alors, donc là, on passe ici, là, il y a cette belle forme qui est juste là pour être flippante. Si on a des quenouilles, là, je me suis dit, j'allais remonter la Ok, bon, là il y a des bruits flippants, voilà, mais c'est juste des bruits, voilà, il y a rien. Ah, là c'est moi qui tombe qui m'aurait presque fait peur, mais non, je ne vais pas avoir peur. Parce que voilà, hein, c'est comme. Je ne suis pas du genre à avoir peur à deux choses que j'ai déjà eu peur. Voilà, hein. La peur ça marche une seule fois, ça marche que la première, hein, ça marche pas la deuxième et la troisième. Alors, donc là on est rendu à l'espace où on s'est noyé la première fois, et on s'est pas noyé. Là le feu va s'éteindre, attention, oh voilà. Bon, voilà, je suis rendu voyant, non, en fait j'ai déjà fait le niveau, ça va être pas mal. Et donc, du coup, on va descendre ici, voilà, les bouteilles, oh mon dieu, ses parents sont irresponsables, ils laissent des bouteilles dans une autre dimension, waouh, ils pourraient pas ramasser, le gamin il pourrait péter la bouteille. Dans le verre, les cubes sont vraiment partout, wow, c'est tellement génial. Ici on a une peluche vraiment flippante, et dans le placard aussi on a une peluche flippante, mais on s'en fout. Voilà, et là ici il va y avoir la pièce de puzzle derrière cette vanne. Ce truc là s'ouvre dans ce sens là, voilà, hop, ça je le sais déjà. La voiture ne roule pas, c'est vraiment décevant. Ici on a les cubes, ici on a la peluche qui est sympa, ici on ramasse la pièce de puzzle, et ici on est presque fini la première partie. Est-ce que je peux juste baisser la grille? Merci. Non, tes contrôles sont horribles, tu sais que tes contrôles sont horribles, voilà. Non, voilà, c'est bon. Ok, alors donc, ouais, toi t'es sympa, voilà, je t'aime bien. On va juste te traîner un peu. Non, on va faire ben trop chien, les contrôles sont horribles. Je vous ai dit que les contrôles étaient horribles. Oui, les contrôles sont horribles. Je vous ai dit que tout le monde faisait peur. Oui, tout le monde fait peur. Bon, alors, hop, on grimpe ici. Et hop, on ouvre le tiroir ici. Hop, voilà, il y a des belles racines, voilà, c'est complètement normal. Je comprends pas les gens qui ont pas de tiroir chez eux, hein. Surtout les tiroirs qui ont pas de racines. Ce qui est bien marrant avec ces tiroirs là, c'est qu'il faut pas se dropper dans le vide pour y accéder. Regardez, là j'aurais pu tomber si je ne ferais pas espace. Voilà, et là je me penche, je glisse dans le merveilleux toboggan de la mort qui tue. En fait non, il tue pas parce que c'est pas encore la boue qu'il y a. Là ça fait peur, mais on sait quand même qu'il n'y a aucun risque, ce qui fait que ça fait moins peur. Et là j'ai l'audio qui me fait peur quand même, même s'il y a rien. Et on sait comment ça devrait faire moins peur. Alors là du coup, on va repasser devant la merveilleuse caisse qui mouille. Voilà, c'est la caisse qui mouille. Et là ici, nous passons devant les peluches qui sont pendues. On n'avait pas remarqué la première fois parce que cette lumière n'était pas allumée. Et là on fait, ah voilà, le bébé il tombe évidemment. Alors là du coup, on passe sur la planche, voilà, hop, ça fait des bruits vraiment flippants. Les bruits sont programmés, c'est fait pour faire peur, mais en fait on s'en fout parce que nous on rentre. Et là il y a un bruit de monstre. Que ça j'avais pas marqué la première fois. Et là il y a le tableau, on repasse dedans. Et là on va rentrer dans la zone où on meurt et on pleure. Voilà.
Attends, je pense que j'ai dû passer avec les sous-titres en norvégien, ce qui fait bien rire. Attends. Ok, non, j'ai vraiment les sous-titres en anglais. C'est juste sa voix qui était très drôle. Voilà. Ok, donc. Voilà, deuxième zone. Ok. Là, c'est le moment où c'est la guerre, là. Là, il n'y a plus de risque. Alors là, la madame, elle s'approche du puits, elle boit dedans, et hop, elle devient le monstre flippant qui nous court après. Voilà, ça se fait vraiment peur. Et elle a des traces noires, parce que voilà. Alors, donc, cette première zone, c'est l'intérieur, c'est sécuritaire. Du moins, je crois, hein. Sinon, on n'aurait pas de boudrier, puis on fait pas d'acromanche. Si tu me trompes de quelque part. Là, on tombe encore, mais je m'en fous, parce que je suis un thug, voilà. Ah! Putain, la porte qui s'ouvre, j'avais oublié. Ok, donc ça, c'était un jumpscare que j'avais pas marqué la première fois, et qui vient de me traumatiser un petit peu. Mais c'est bon, c'est correct, on peut passer. Voilà, les meufs qui tombent, j'adore les meufs qui tombent. Voilà. Si on a l'éléphant. Et voilà. Alors, donc là, on va avoir les bottes qui tombent. Alors, voilà, là on traverse, et là, les bottes vont tomber, et maintenant, allez, tombe. Oh mon dieu, je suis traumatisé. Et là, oh non, mais ce n'était que des bottes. Et là, on va faire, oh mais on va tellement traîner le piano. Attention, ceci est un piano. Ouh, je suis un piano. Voilà, c'est très bien, je suis fier de toi. Tu glisses super bien d'ailleurs comme piano, et tu fais moins de bruit de piano maintenant. Bon, hop, et voilà, hop, on ouvre. On pousse la porte avec notre corps comme le toc. Alors, là c'est le moment du jumpscare. Alors, petits yeux sensibles, vous pouvez vous cacher. Là, il va y avoir un bruit qui va me défoncer les oreilles. Attention, bruit qui défonce les oreilles dans 1, 2, 3, go. Boum. Oh, waouh, ça fait tellement peur. Ouh, j'ai peur. Bon, ok, donc. Là, on peut remonter, voilà. Et là, oh, mais le monstre est parti. Et là, on va rentrer dans la zone qui fait peur. Voilà. Hop, je vais juste accéder à la poignée. Bon, alors. Voilà. Plein d'eau. Ce truc-là est fait pour faire peur aux hydrophobes, voilà. En passant, les hydrophobes sont les personnes qui ont peur de l'eau. Voilà, pour ceux qui savent pas. Alors là, c'était là où il y avait la brute qui faisait un bruit vraiment flippant, mais je vais le tasser, voilà. Alors là, on sort dehors. Ok, j'aime vraiment pas ce bruit-là, je sais pas pour vous, moi je l'aime pas. Voilà, c'est déjà dit. Donc. Ok. Donc, on se commence par aller chercher dans le puits, ça, faut le monter un peu. Donc on va chercher la clé dans le puits. On y va propre, ok. On y va propre, on peut le faire. Et on se décide de se faire bouffer par le monstre. Voilà, ok, c'est vrai, il faut faire des grands cercles. Voilà. Si on est pour se faire avant, on se fait bouffer par le monstre parce qu'on viendra un peu plus proche. Donc là, je pense que cette zone-là est semi-safe, genre, parce qu'il risque pas d'avoir la créature qui bouge là-dedans. Parce que c'est juste. Voilà, bon, ok, on a fait assez monter le saut. Maintenant, on peut récupérer. Donc là, maintenant, on a la pièce de puzzle, mais on peut pas faire demi-tour parce qu'ils mettent plein de choses inubles. Voilà. Donc, on va ouvrir la première porte. Sachant qu'il y a deux portes. Ok, c'est bon, je peux passer. Bon. Voilà. Tab. Ok, c'est bon. Là, maintenant, on est dans la zone plus sécuritaire, ok? C'est une zone de guerre. Donc, on va juste toujours crouché. Donc, la première étape, c'est d'aller chercher la clé dans l'espèce de bracelet. Ah, merde. C'est bon, ok, on est en sécurité. Ok, c'est bon. Il était au bout du chemin, mais il va bouger. Donc, ce qui est évoqué, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est pas des événements scriptés. À ce moment-là, c'est vraiment un bonhomme qui se déplace et qui a aucun fair play, du coup. Et qui s'en fout complètement de nos oreilles, qui s'en fout complètement de nous. Voilà. Ok, alors. On va aller par là. Là, c'est juste un tonneau. Ok. On court de cover en cover, comme ça on essaye de minimiser le risque d'être dans l'ouvert. Même s'il faudra inévitablement qu'on traverse des zones où on est exposé. Et là, on va être bugué surtout. Voilà. Je me dis c'est intense dans mon cœur là. Même si je l'ai déjà fait, que je me dis que c'est bon, tout va bien aller, c'est intense. C'est quand même intense. Je vais essayer d'ailleurs de jouer le plus que je peux après ça, si je peux encore, après, sans mourir de cœur, voilà. Alors, ok, on s'en va vers la table ici. On minimise les distances. On court à quatre pattes parce que c'est plus rapide. Voilà. Et on s'en fout de voir un peu moins loin. Bah c'est ça ce qui est, c'est que on bouge. Voilà. Ok, et là on va aller là-bas. Faudra tasser les planches rapidement là, parce qu'on veut éviter de trop se faire avoir. Il y a des bruits flippants, il y a de l'eau, il y a des chaises qui. Voilà, ok c'est bon, on a réussi à tasser les deux planches en même temps, c'est bien ça. Ok, maintenant on est dans une zone safe. On va tasser la caisse ici. On peut se mettre debout là. Tu sais, il y a une sauvegarde, ça veut dire que si on se fait défoncer, eh bien on va revenir ici. Voilà, là il y a le bruit d'avion, voilà, c'est un bruit d'avion, c'est pas un bruit de violon. Coudon, je suis en train de trembler même s'il n'y a pas la créature dans le coin. Je vous dis, c'est traumatisant comme jeu. Bon. Ok, alors,
Là, la question est, est-ce que la monstre qui est à la sortie est un événement programmé? Oui, c'est un événement programmé, mesdames et messieurs. Le monstre est exactement la même position. Donc, c'est un monstre qui est semi-programmé. Et là, on peut y aller. Là, il est dans le fond, là-bas. Voilà, c'est bon. Ok. Prends qu'il change de zone, il prend hein, que c'est ça qu'il drop. Bon, donc. Là, on va juste courir de cover en cover, aller à la porte. La porte, on va essayer de se dépêcher là-bas, parce que là-bas, il n'y a pas de zone sécuritaire. Il n'y a pas d'espace où on peut se pencher. Là, c'est la table ici que je vise. Voilà. Ok, là on est en sécurité, on prend notre souffle. Ok, allez, on va chanter. Kumbaya wa, kumbaya. Kumbaya wa, kumbaya. Tu me fais flipper, je. Tu me fais flipper. Ah, merde. Ok, le monstre nous aurait été en mode je peux le choper. Et là il est en mode je me bats parce que je peux pas le choper. On était quand même assez proche de se faire ramasser là. On était proche. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais ses pattes étaient des pattes de tronc. Ok, là il y a l'air de nous faire le coup je campe devant ta place. Je suis seul salaud qui ne veut pas que tu joues. Ok, donc là la prochaine cover c'est là-bas. Ok, c'est bon, c'est sécurité. Allez hop. On fonce, non, dans le tronc. Laissez faire, le tronc est plus proche. Puis il prend accès. Ok, c'est bon, on est en sécurité ici. On respire un bon coup. J'imagine même pas les niveaux après. Ça va être de pire en pire. Voilà. Parce que ça, c'est juste le troisième sur 4 souvenirs. Le troisième souvenir sur les 4. Et je suis sûr qu'il y a un niveau après les 4 souvenirs, évidemment. Sinon, ce serait pas marrant. Voilà. Ok, bon, on s'en va vers le canapé ici. Voilà. Et là, il y a une porte qui s'ouvre dans ma maison, ça fait flipper. Voilà. Merci, merci famille qui ouvre les portes. Et qui marche en arrière-fond. Ça fait flipper comme il faut. Bon, ok. Là-bas, il y a la clôture. Il faut qu'on s'installe puis qu'on s'y rende. On a la clé. Mais il n'y a plus de cachette rendue là-bas, ok. Alors là, c'est le moment où on s'installe et on fait « S'il te plaît, jeu, laisse-moi jouer ». Et on réalise qu'il y a une petite cachette ici, fait qu'on va prendre cette cachette là. On respire un bon coup. Ça permet de réduire la distance. Ok, alors là, je vous explique. Il y a à peu près grosso modo 5 mètres à marcher. Ok, 5 mètres, il faut ouvrir un tiroir et il faut rentrer une clé. Ok, à partir de là, on traverse un long pont. Et le pont mène vers un banc où on peut pas se cacher en dessous. Et un baril qui permet de sortir. Ok, notre but c'est de passer là. Je me suis jamais rendu aussi loin. Ok, allez hop, on rush. On rush, on rush, on rush, on rush. On ouvre le tiroir. On monte dessus. La musique commence à devenir intense. C'est pas bon ça. Ah merde, merde, merde. Ok, il y a un baril ici. Ah, c'est bon. On a réussi à le faire. Oui. Oui. Allez, barre-toi saleté. Barre-toi saleté. Boum, boum, boum. C'est qui le plus badass? Boum, boum, boum. Bon, là, il y a encore dans le coin. On va attendre un petit peu. On va respirer un bon coup parce que ça fait quand même un peu peur le son, la musique qui devient intense. On peut savoir qu'il s'en vient avec la musique. C'est déjà ça. Bon, alors. Ok, la clé on l'a. On fait juste foncer, ouvrir la grille et courir. Ok, allez, on peut le faire. Ok, c'est bon. La musique est pas éteinte, c'est bon. On risque de le faire. On risque de le faire. Ok. Ah, je tremble, bon sang. Voilà, c'est bon. Ok, on court, on court, on court, on court. On se met à quatre pattes. On court plus vite. Là, il y a des bruits flippants sur le pont, mais je pense que c'est pas le monstre. Du moins, je l'espère. Ok, l'ambiance sonore est pas éteinte, c'est bon. C'est bon, l'ambiance sonore est correcte. On fait des bruits comme ça même si on n'est pas tombé, ce qui est un peu bizarre. Ah, ah, c'est la pente, j'oublie toujours la pente. Ok. Là il y a des bruits de racines qui crushent des choses. C'est pas très agréable, mais c'est pas grave. On fait avec, on grimpe, on grimpe, on grimpe, parcours, parcours. Hop, voilà. Ok, la créature arrive, espérons qu'elle peut pas nous toucher à partir du tronc. Ok, c'est bon. On est retourné à l'intérieur. On l'a fait mesdames et messieurs. On l'a fait. Hop, hop, allez, je me sens même pas en sécurité ici. Bon, ok. On est retourné au hub. On l'a fait, on est des badass. On mériterait un bandana. Et ouf. Et on l'a fait. Ouh, ok, c'est bon. On a la dernière pièce du puzzle, on a un beau puzzle qu'on va contempler 5 secondes, voilà c'est bon, on l'a contemplé, on peut se barrer. Ok. Et là on est rendu dans le souvenir, donc ça devrait être sécuritaire. Voilà. Oh bon sang, mon cœur, bah, il...
Oh. Ok, la maman disparaît. Et le livre disparaît. Et le gamin, il lit tout seul. Et oh non, c'est pas le souvenir. Non, 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 non. Non, non, non. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Ok, y a pas de cachette. Ok, j'aime pas l'ambiance sonore. L'ambiance sonore veut dire... Je vais te faire fuck. Ah, ah. Ah, y a-t-il une cachette ici? Y a-t-il une cachette ici? Oui, on peut se cacher en dessous des étagères. Ok, c'est bon. C'est du génie ce jeu. C'est du génie. Non, en fait, c'est de la grosse merde. Et je suis obligé d'y jouer parce que ça fait peur. Ok. Fait qu'on est... Tu sais que je suis protégé, hein, monstre. Hein? Hein, ça va te rhabiller. Ok. Récapitulons la situation. On a fait la zone. Ok, on l'a fait, on est badass. Ok. Mais là, il y a le monstre qui s'installe et qui campe autour de nous. Ok, on pourrait aller là-bas. Voilà. Ok, ça c'est safe. Ok, on pourrait aller dans l'étagère là-bas. Ça me semble un peu risqué, mais ça vaut le coup. Allez, go, go, go. On s'installe et on évite de se faire choper. On évite de se faire choper. Bon sang, ma main qui tient la souris trempe, c'est horrible. Bon, ok, c'est bon. On prend une bonne respiration. On prend une petite pause. Voilà, on prend une petite pause. On respire. On inspire. On expire. Voilà, c'est bon, on est prêt. Ok, bon. Alors, il y a de l'eau là-bas. Bon, ok, il faut trouver un moyen de traverser de l'autre côté. Je pense qu'on est sur l'étagère la plus proche du bord. Merde, y'a de l'eau partout. Ok, il faut trouver un endroit pour passer. Ah merde, on est bloqué dans l'étage. Ok, c'est bon. On joue la sécurité, ok. Non, par là, c'est pas une bonne idée. Je disais que c'était stressant comme jeu. Ok. Bon, ok, je sais quoi. J'ai aucune idée comment on traverse. On va retourner vers l'ancienne étagère qu'on avait. En espérant qu'on va pas se faire cote. Ah merde. Ok, on retourne vers l'étagère qu'on était avant. Merde, je pense qu'on s'est bloqué dans le sol. Ok, c'est bon. Ok, on est là. Ok, j'ai aucune idée par où on peut passer. Il y a peut-être le deuxième étage qu'on pourrait accéder. Ok. Bon, la grande question c'est, est-ce que c'est très sale ce coin-ci? J'adore, la musique devient toujours un peu plus épeurante lorsque tu sors des... Je peux pas m'avoir, je suis en dessous d'un objet. Je connais le jeu. Il a disparu, ça, il disparaît dans une... Le monstre disparaît dans une plage d'eau. Ok, il y a deux problèmes là présentement. On sait pas où on va. Ici on sait où on va, qu'on traverse la rivière. Et bien on sait pas comment on la traverse. Voilà. Ok, c'est bon, la planche ici. La planche, c'est bon. Ok,
Ok, c'est bon, on est en sécurité. Ok, c'est un peu plus calme là l'ambiance. Ok, j'ai eu peur, le train m'a fait peur. Ok. C'est bon, il n'y a pas de bruit. Ok, on traverse le tronc ici. J'ai aucune idée où ça va par contre après, mais bon. Merde, merde, merde. Crêpe! Ok, tu peux pas. C'est pas grave. Ok, tu t'en vas ici. T'en vas ici. Ok, on évite de se faire choper. Ok, on peut passer à un truc ici. Voilà, ok, ça mène à rien. Ça mène à rien. Ok, c'est bon. Ok, là on peut se faire cote là. Là, on va prendre la cover ici. Ok, vite, vite. Bloque-toi pas dans les pattes du piano. Oh mon dieu, un vrai piano! Voilà, là tu viens et tu fais oh, je viens te bouffer, mais je peux pas parce que t'as le pouvoir infini d'avoir placé des meubles partout. Ah ouais, barre-toi. Vous savez, c'est comme si vous jouez à cache-cache, puis que ça ressemble à ah bah tiens, t'es caché, ben c'est bon, tu peux pas te choper. Bon. Ok. On va voir si on peut se cacher sous le lit. Ok, vous voyez ce que je vois là? C'est une autre porte de sortie. La truc de ventilation. Ok, on couvre par là. C'est ça, il faut tasser la chaise. Et évidemment, on peut pas se tasser la chaise si on est en dessous. Bon, ce qui est bien au moins, c'est qu'on reste proche de la chaise. Donc du coup, on peut s'asseoir puis se cacher vite en dessous. Ça a l'air d'être la fin après ça. Ok, bon, on se cache sous la chaise. On peut le faire par plusieurs petits coups, voilà. Oh non, si le gamin aussi se met à respirer aussi mal que moi, là, il y aura un problème. C'est bon, t'inquiète, le bonhomme, il peut pas te choper, t'es sous une chaise. Et il nous aurait fallu juste... Allez, hop. Oh bon sang, mes doigts tremblent. Bon, j'ai pas l'impression que je vais pouvoir faire d'autres niveaux après ça. C'est pas grave, ok, bon, on y va. What? Mais le nounours il parle différemment depuis qu'on l'a mis en face. Eh, c'est moi ou maman est pas flippante pour une fois? Peut-être parce qu'après tout le stress que je viens de passer à travers, c'est la chose la moins flippante que j'ai. Il n'y a pas de jumpscare avec maman. Hein, vous vous rendez compte, pas de jumpscare avec maman, mais c'est quoi ce jeu? Bon. Hop. Allez. Oh, on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Wow. Oh. On l'a fait, ça a juste pris 2 épisodes, hein. Bon. Ok, c'est en direct, au moins qu'il a décidé de juste faire comme... Tu parles pas du tout en anglais. Ça, j'ai vraiment l'impression moi que ça... Ok, je pense que c'est vraiment en norvégien. Du moins, on va le mettre en norvégien juste pour la phrase, ok? Juste pour la phrase en norvégien. Hop, voilà. C'est ça, ça l'est mis en norvégien. Je le savais qu'il y avait, c'était en norvégien. C'est pour ça que c'était aussi bizarre la voix de Teddy. J'avais l'impression d'avoir une espèce de... Je sais pas trop quoi. Je peux-tu avoir l'audio en anglais? Bon, on dit qu'on va devoir le faire en norvégien. Ah, bon, on est retourné ici. C'est une zone où on sait comment qu'on peut pas se faire défoncer. Bon. Alors là, la question c'est est-ce qu'on va avoir du lag? Probablement que oui, mais on s'en fout. Tu sais, c'est le livre qu'on avait dans notre chambre là, qui est écrit en japonais. Bon, allez, hop. Ah oui, ça va fermer évidemment. Allez, hop. Ah, contrôle de merde. Bon. Et là, on va tourner. Hop. Vous savez quoi? C'est bien plus facile de tourner ici. Ok, ça fait juste bien trop rire le nounours en norvégien. Ah,
Bon. Ok. On dirait que le prochain niveau, c'est un sous-sol, grenier, remis, je sais pas trop quoi. Bon, alors c'était tout pour aujourd'hui. Je suis désolé, cette fois-ci, j'ai pas rage quit. En fait, c'est vraiment un terme. Faudrait que ça soit genre scare kit. Scare qui veut dire peur en anglais. Ouais, faut trouver un terme pour le... J'ai tellement peur que tiens, on va dropper le ballon juste parce que c'est bon. Bon. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Ça aiderait grandement ma petite chaîne et mon petit cœur à rester en vie. Donc, c'était Wapiti. Moins traumatisé maintenant. Au revoir.